VivaTech, c'est un événement dédié à la tech et à l'innovation. C'est le premier événement européen qui accueille des startups depuis 2016. Donc c'est la 7e édition cette année. La spécificité de VivaTech, c'est que ça se joue sur 3 journées B2B et une journée grand public. C'est un événement qui rassemble des grands groupes, des startups et puis des acteurs publics, des VC et puis bien sûr des médias. Les régions sont extrêmement présentes puisqu'on a 10 régions françaises qui participent à l'événement. On a aussi une trentaine de pays, à la fois Afrique, Asie, Européens et Amérique qui participent à l'événement. Et la place des régions, et notamment la région Centre-Val-de-Loire, qui est un grand partenaire de VivaTech, est extrêmement importante puisque grâce à la présence de ces régions, il y a des interactions qui s'opèrent pour les startups qui sont apportées par la région. Elles vont pouvoir rencontrer du coup des VC, des grands groupes, d'autres startups, et donc du coup développer à la fois leur partenariat, leur business avec ces acteurs-là, et puis aussi rencontrer des financements et donc accélérer leur développement en France et puis à l'international. Dans la notion de care, il y a une notion de responsabilité et puis il y a une notion de pédagogie, de comment est-ce qu'on prend soin, comment est-ce qu'on accompagne et comment est-ce qu'on on éduque. Et donc ça fait référence à beaucoup de choses, ça fait référence déjà à la responsabilité sociétale et environnementale. Donc comment est-ce qu'à la fois les initiatives qui sont prises par la région, à la fois les startups de la région développent des solutions innovantes qui répondent à ces enjeux. Et puis c'est aussi le rôle de la région d'éduquer à travers des formations, à travers des formations au digital, à travers des formations autour de la cybersécurité, sur la responsabilité des différents acteurs et notamment des individus sur les réseaux sociaux, dans leur comportement citoyen. Et donc du coup, cette notion de care, pour nous, est au cœur de nos enjeux à VivaTech.